Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester un slime sans colle et ce sera un slime sûrement tout noir si ça fonctionne. Donc pour ça, j'ai acheté un masque de charbon. Voilà. Je l'ai acheté sur Amazon. Pour ceux qui sont intéressés, il y en a de toutes sortes, toutes marques, tout ça. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc c'est parti, on va commencer par mettre le masque dans notre récipient. Franchement, ça va donner un slime tout noir et tout. Je pense que ça peut être super. Donc pour ceux qui veulent savoir, je vais aussi tester pour, bah, comme masque, hein, forcément. Et ça fonctionne super bien. Voilà. C'est pas un placement de produit, mais bon, je voulais vous le dire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. Donc voilà, je pense que ça, c'est suffisant pour tester. Parce que par contre, pour faire du slime, j'ai pas encore testé et je sais pas si ça fonctionne. Alors ensuite, je vais rajouter des gouttes pour les yeux, donc c'est du dacryocérum. Voilà. On achète ça en pharmacie. Il y en a 20 dedans et je crois que ça coûte 3 euros ou 3,20 euros. Ça dépend des pharmacies. Voilà, il y a seulement ces deux ingrédients-là, donc c'est un slime sans colle. Je pense que le masque contient déjà un petit peu de colle. Donc c'est parti, on va mélanger. On va voir si ça fonctionne. Ça a l'air de former quelque chose. Je sais pas du tout si ça va nous faire notre slime, mais je pense qu'il faut mélanger super longtemps pour que ça se décolle des bords. Ça serait super si ça fonctionne. Oui, donc ça a l'air de fonctionner. Je vais bien mélanger. Ça a l'air de bien coller encore. Donc je pense qu'il va falloir encore du dacryocérum. Je pense que je vais bientôt commencer à mélanger à la main. Ouais, ça colle quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai réussi à tout décoller des bords. Par contre, j'ai réussi à m'en coller plein les doigts, mais je pense qu'à force de travailler, ça va être bon. Il est très élastique, ça c'est vraiment super. Je pense que ça va être un test réussi. Donc je vous ai rajouté de la lumière pour que vous voyez. Comment il est trop brillant. Franchement, il est super beau. Il commence à moins coller au doigt. Ça fait un petit moment que je le travaille. J'adore. Franchement, je suis super contente parce que ça fonctionne. Ça me donne, je sais pas, une impression. Vous savez, comme dans le film de Spider-Man, quand il se fait attraper par le truc noir, là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais peut-être ajouter un petit peu de paillettes argentées pour voir ce que ça donne. Wow, je dis un petit peu, mais j'en ai fait tomber un petit peu beaucoup. C'est pas très grave. Mais
sais même pas si au final ça va suffire de toute façon. On ne les voit pas beaucoup. Je pense que c'est parce que c'est l'effet du slime noir qui fait ça. C'est dommage, je pensais que ça allait peut-être nous donner un petit truc effet galaxie. Mais autrement, franchement, ça fonctionne super bien. Pour celui qui a des masques comme ça chez lui et qui n'a pas de colle, juste pour tester, pour celui qui n'a jamais vu du slime ou qui n'a jamais testé tout ça, franchement, c'est vraiment super. Et il est vraiment très élastique. Moi personnellement, j'adore. Puis la couleur, franchement, toute noire comme ça. On a souvent du mal à avoir un slime tout noir et tout. Faut mettre une tonne de colorant. Bah là, non. Il est déjà noir. Donc voilà, test validé. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!